Amina Romary, bonjour. Bonjour, ravie d'être parmi vous. Merci de m'avoir reçue en cette journée hautement symbolique, qui est une date qui a été instaurée par le président de la République, ministre de la Défense, pour rendre hommage aux pionniers de l'institution militaire. Alors, cette journée. Journée de l'armée populaire nationale décrétée en 2022, elle est hautement symbolique. C'est une reconnaissance, puisque vous avez déjà commencé à répondre. Merci. Et donc, c'est une date qui est également un moment pour sensibiliser le public à l'importance du rôle de l'armée dans la protection et la sécurité et la stabilité de la nation. Alors, l'ANP au service du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est un principe sacré au niveau de votre institution militaire, colonel Emina Romary. Oui, l'ANP est animée par l'esprit de responsabilité qui émane de sa profonde croyance en la sacralité de la relation qui la lie à son peuple, dont elle est issue. Alors, au service du peuple, des actions sont engagées directement, puisque nous avons vu que les forces de l'ANP sont déployées à travers tout le territoire national. Et là où il y a la présence militaire, les citoyens sollicitent leur intervention. Ces interventions sont devenues maintenant une tradition au niveau de l'institution militaire. Absolument. L'ANP contribue dans la consolidation des valeurs de la solidarité. Son rôle est allé au-delà de la construction et de la défense du pays et de la défense de ce pays, qui a consisté également à la participation dans les élans de solidarité lors des différentes crises et catastrophes naturelles qui ont frappé notre pays, à l'image de sa participation lors des séismes de Chlef en 1980, Ain Temouchent 99, Boumerdès 2003, les inondations de Bab El Oued et les inondations de Rerdaya, les incendies qui sont pas très lointains en 2021. Par ailleurs, l'ANP a activement participé au désenclavement des zones touchées par les fortes chutes de neige, chaque fois que le besoin se faisait ressentir. De même, elle a été d'une grande contribution en soutien à l'effort national dans la lutte contre la pandémie du virus corona. Et justement, vous étiez fortement présent pendant cette période à tout point de vue. C'est une relation solide, la consolidation de la relation armée-peuple a déjoué toutes les tentatives de division. C'est ça la force aujourd'hui de l'AMP. C'est cette, bien sûr, relation peuple et armée. Moi, je vais vous parler du soutien de l'armée, mais du côté sanitaire, c'est-à-dire du côté pardon, Du excusez-moi, système de du santé. système de santé qui a toujours été là pour soutenir la population et qui a été engagée aux côtés de notre cher peuple. Alors, pendant cette période, vous étiez fortement présent, colonel Romary. Absolument. Je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours. Je suis médecin urgentiste et donc j'ai travaillé aux urgences de l'HCA, l'hôpital central de l'armée, Mohamed Sghir Nakache. Et nous avions vraiment été là pendant la Covid-19. Et voilà. Et puis, sans oublier que nous avons participé les services de santé ont déployé des hôpitaux de campagne totalement autonomes pour les populations civiles. Alors, bien sûr, au-delà bien sûr de cet aspect sanitaire que nous avons vécu en 2020, malheureusement, et 2021, c'est une pandémie qui a touché le monde entier. Nous avons été fortement également affectés. Le secteur sanitaire se déploie à travers tout le territoire national parce qu'on a constaté aujourd'hui qu'il y a cette complémentarité entre les structures publiques et également militaires. Là où il n'y a pas de structure publique, les populations locales sollicitent automatiquement l'institution militaire, c'est-à-dire les hôpitaux militaires, que ce soit au niveau des zones frontalières, Timiaouine, Tinzaouatine, on peut aller même à Ain Amenas et d'autres localités au niveau du territoire national. Absolument, absolument, Souhila. L'ANP assure une couverture sanitaire à l'ensemble des franges de la société. Nous avons des établissements hospitaliers mixtes qui ont été
créée dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Défense et le ministère de la Santé. Donc, nous avons des structures hospitalières qui sont implantées à Tindouf, à Djelfa, à Borj Bedji Mokhtar, à Sidi Bel Abbès, Larouat, ainsi qu'à Aïn Amenas. Et les services de santé militaire assurent aussi des missions de soutien médical dans les contrées les plus éloignées sur tout le territoire national. Mais qu'est-ce que vous entendez par des équipes mixtes publiques-militaires? Absolument. C'est des hôpitaux qui sont civils et qui sont gérés par des militaires pour une meilleure gestion. Et dès lors qu'il y a besoin de spécialistes, nous faisons appel aux médecins militaires. Alors, je voudrais revenir avec vous par rapport à cette question, c'est-à-dire votre présence au niveau des frontières, en termes bien sûr sanitaires. C'est important d'être présent puisque ça a renforcé encore les liens entre l'armée et la population. C'est devenu pour vous, c'est-à-dire une action courante que d'engager c'est-à-dire cette relation, puisque nous avons vu que notre armée, elle est reconnue et connue comme étant une armée républicaine faite et constituée des enfants du peuple. Absolument. L'ANP est une institution qui est issue du peuple. Son devoir découle du plus profond de son être, car avec le peuple, il constitue une seule et unique entité. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi sur un autre aspect, colonel Amina Romari, par rapport justement à cette proximité. Il y a aussi les femmes qui sont fortement déployées et qui atteignent aujourd'hui, c'est-à-dire des postes supérieurs de la hiérarchie militaire. C'est Absolument. important. C'est un corps qui s'ouvre davantage aux femmes ou alors il a toujours été ouvert aux femmes? Beaucoup plus ces dernières années. Et vous savez, nous sommes les dignes héritières de nos héroïnes de la glorieuse révolution de libération. En effet, la femme algérienne a su trouver sa place aux côtés de son frère homme pour contribuer au développement et à la modernisation de l'ANP. Elles sont au sommet de la hiérarchie militaire aujourd'hui, puisque nous avons vu beaucoup entêtées, bien sûr, gradées récemment, et elles ont atteint des postes supérieurs dans la hiérarchie militaire. En effet, les femmes au sein de l'ANP sont de plus en plus présentes dans les unités opérationnelles. Cette année a été marquée par la sortie au niveau de l'École supérieure de l'air de Tafraoui d'une nouvelle promotion de femmes pilotes, des pilotes de chasse, d'avions de chasse, Des MiG. et de transport et d'hélicoptères. Alors, et par rapport au grade supérieur de l'armée, puisque nous savons aussi également, par rapport aux informations que nous avons, qu'il y a une femme à la tête de 5 plus 5 défense. Absolument. D'abord, je voulais parler du premier professeur d'enseignement paramédical, qui est une femme militaire. C'est Madame Tahraoui, avec qui j'ai beaucoup travaillé à l'école paramédicale de santé militaire. Il faut savoir que la première dame promue générale était un professeur de la santé militaire, le professeur Arjoun. Et puis d'autres femmes ont suivi, en l'occurrence le général qui est chargé de la question de coopération dans le cadre du multilatéral 5 plus 5. C'est une femme qui est à la tête des 5 plus 5 Absolument, absolument. défense. Et nous avons une autre dame, une autre femme générale qui occupe le poste de directeur général de l'Institut des hautes études de sécurité nationale. Et c'est une femme aussi qui est à la tête, bien sûr, de cet institut supérieur. Moi, je voudrais revenir avec vous aussi sur la modernisation de votre système de santé aujourd'hui. Au niveau de la santé, on est pratiquement tenté de vous jalouser quand on voit les structures qui sont en train d'être réalisées par votre institution, comme par exemple l'hôpital mère et enfant réalisé au niveau d'Alger, aux alentours de Beni Messous. C'est une structure aux normes internationale et importante également dans Absolument. Votre c'est-à-dire dans votre organisation actuelle. Absolument. Vous faites bien de parler de cette structure parce que j'en fais partie depuis une année, depuis son ouverture. Donc l'ANP a acquis cette nouvelle structure spécialisée dans les maladies de la mère et de l'enfant.
Elle représente un modèle moderne conforme aux normes internationales en vigueur. Il est considéré comme l'une des réalisations de qualité qui vient renforcer la prise en charge médico-sociale des personnels de l'ANP et de leurs ayants droit, avec un service d'hémato-oncologie de l'enfant, spécialisé dans l'enfant, et un service de PMA, procréation médicale assistée. Mais quand vous parlez d'un modèle moderne, qu'est-ce que vous entendez par modèle moderne en termes de prestations de services, en termes par exemple de modernisation des prestations sanitaires, en termes de chirurgie ou d'innovation? Qu'est-ce que vous entendez par modèle moderne? Donc c'est un modèle moderne dans le sens où il est conforme d'abord aux normes internationales. C'est un hôpital zéro papier. Nous avons un système informatique qui n'a rien à envier aux hôpitaux les plus réputés dans les pays dits développés. Mais quand vous parlez d'un système d'information qui est mis en place, ça vous facilite aujourd'hui, par exemple, l'identification et le travail que vous engagez au quotidien, madame colonel Emina Romari? Vous savez, quand les patients arrivent, ils ont besoin d'être pris en charge rapidement. Grâce à ce système d'informatique, le patient ne va pas attendre. Il ne va pas attendre, il va être vu le plus rapidement possible, donc diagnostiqué plus rapidement et pris en charge plus rapidement. Les délais de prise en charge? Je vous mentirais si je donne des... Mais vous savez, c'est 10 minutes, un quart d'heure pour... Dès son admission. Après admission, c'est rapide. Alors, par rapport justement à ces structures sanitaires existantes, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, vous avez fait beaucoup d'efforts pour aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine innovante dans le traitement de certaines pathologies? C'est un principe qui est aujourd'hui développé de plus en plus. Est-ce que vous êtes en train de le mettre en œuvre au niveau de vos structures hospitalières à travers, bien sûr, toutes les infrastructures dont vous disposez à travers le territoire national? On connaît beaucoup Al Najah, mais il y a d'autres structures qui sont en train de se développer au niveau de l'institution militaire. Absolument. Dernièrement, il y a eu, l'année passée, il y a eu l'inauguration de l'hôpital de Tamanrasset. Vous imaginez une grande structure aux côtés duquel une école paramédicale a été installée. Et donc, nous sommes à la pointe de la médecine. Et moderne. À la pointe de la médecine moderne. C'est-à-dire que là, maintenant, on est en train d'aller vers tout ce qui est greffe rénale, greffe du foie. Et voilà. Et dans ce cadre, la formation, elle est importante. Elle se fait aux normes internationales, c'est-à-dire cette formation, elle est dispensée au niveau de nos universités, ou alors vous allez encore plus loin pour la formation de votre personnel médical? Notre personnel médical est formé dans nos universités, dans nos hôpitaux, et voire même, il peut y avoir des formations qui sont faites à l'étranger, mais en général, nos médecins sont formés chez nous. Alors, pour certaines spécificités qui concernent bien sûr le corps militaire, par exemple, en cas de situation complexe, d'incendie au niveau, par exemple, de certaines structures, l'intervention aussi, puisque vous êtes médecin urgentiste, l'intervention en situation aussi qui pourrait peut-être arriver, on ne le souhaite pas à notre pays, par exemple, de guerre. Est-ce que toutes ces actions, vous les apprenez? Absolument. Déjà... De ma formation, je suis médecin urgentiste. Nous avons à plusieurs reprises déployé des hôpitaux mobiles. Et il faut savoir en toute situation, en toute circonstance. En toute situation et toute circonstance. La période du terrorisme? Pendant la période du terrorisme et après. Il faut qu'on soit prêt, fin prêt, à tout moment. Il ne faut jamais se relâcher. Alors, colonel Emina Romari, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à votre intervention. On parle de cette journée qui est importante aujourd'hui, célébrée à travers tout le territoire national. Une journée qui consacre la journée de l'armée populaire nationale, décrétée en 2022 par le président de la République. Vous l'avez déclaré, c'est une reconnaissance aux efforts de l'armée populaire nationale déployée à travers tout le territoire national, bien sûr, pour la protection du pays également, bien sûr,
la surveillance et également la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale. Vous êtes bien sûr au niveau de l'hôpital Mère et Enfant qui a été inauguré il n'y a pas longtemps, qui a été réalisé au niveau de Benimessous. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à votre institution, vous êtes colonel, vous êtes en charge aussi des services importants, il y a d'autres femmes aussi qui sont avec vous au niveau de ces... Il y a de plus en plus de femmes qui intègrent aujourd'hui l'armée populaire nationale. Oui. Qui rejoint les rangs de l'ANP. Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes parce que la mentalité algérienne a changé. On ne regarde plus la femme militaire de la même manière. Il faut savoir que on est sœur, on est maman, on est tante, on est. Il y a plus de réticence par rapport aux femmes pour intégrer le milieu militaire. Et surtout celui de la santé. Mais est-ce qu'elles sont aussi parallèlement encouragées à intégrer le corps militaire, puisque nous avons vu, par exemple, la dernière fois, au niveau l'académie de Cherchel, le général de corps Shengiriha était vraiment impressionné par les prestations des jeunes femmes militaires de l'institution, de l'académie. Il a même mis le pouce. Tout le monde l'avait vu. C'est-à-dire, c'est une façon d'encourager encore davantage la promotion des femmes au sein de l'armée. Absolument. On va vers la féminisation de l'armée. Il y a de plus en plus tous de les femmes. Corps sont aujourd'hui. Et dans tous les corps. On a vu la sortie de promo des pilotes à l'école de Tafraoui, comme on verrait des femmes gendarmes dans la gendarmerie nationale. Il y a des marins, femmes, à l'école de Temenfust, et qui sont de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire, on sort un peu du cercle traditionnel, à savoir la santé, pour aller vers l'opérationnel. Avant, on pensait que les femmes n'étaient que dans le corps, dans la santé militaire. Mais aujourd'hui, elles vont même vers les corps opérationnels. Absolument. Puisque vous dites pilote de chasse, pilote de MiG, elles sont aussi à la marine nationale. C'est un petit peu normal. C'est un héritage. Un héritage de nos glorieuses chahidettes. Je vais citer Ziza Sakina, qui était infirmière, qui est décédée sous les bombardements de l'occupation. Elle a été militaire, elle a été sergent, caporal puis sergent. Elle portait l'arme de la même manière que son frère homme. Et donc il n'y a pas à y avoir d'approprié, de barrière. Pourquoi pas? Une femme est un homme. Moi, je ne sens pas cette différence. Je vous le dis sincèrement. Avant d'intégrer justement la santé militaire, dès lors que j'ai eu mon bac, et pour moi, être militaire, c'était militaire. C'est un métier militaire. Mais je ne pensais pas qu'il y avait des femmes militaires, des femmes... pilote. Vous savez, la première promotion de pilote femme, c'était en 1978. Et donc là, c'est juste une continuité de cette évolution. Donc c'est une tradition. Alors, c'est une tradition de notre armée. Alors vous avez cette question populaire. De l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les liens sont aujourd'hui renforcés entre l'armée et la population, avec l'intervention de l'armée en toutes circonstances. Et on l'a vu, elle vient au secours de la population. Et les derniers événements, par exemple les incendies qu'a connu notre pays ces dernières années, on a vu l'intervention de l'armée populaire nationale. Cette intervention renforce encore davantage cette relation. Est-ce que aussi, par exemple, quand vous... cette intervention est faite à l'appel du citoyen ou c'est parce que l'armée se sent aussi concernée par cette intervention? C'est l'armée qui se sent concernée en premier lieu. Vous savez, dès lors qu'il y a une catastrophe, je vais vous parler du tremblement de terre de Boumerdès. Les premiers à arriver sur le terrain, c'était nous.
Les incendies de forêt également, à un moment donné. Moi, je parle du tremblement de terre de Boumerdès parce que j'y étais. Et on a été déplacés vers la zone du tremblement de terre. La terre bougeait, mais on était là et on était sur place et on était les premiers à les prendre en charge. Les équipes de secours formées pour l'international, intervention à l'international, vous êtes aussi déployées quand il y a des situations de catastrophe en solidarité avec des peuples. Absolument, il y a eu beaucoup de nos confrères et confrères surtout, consoeurs un peu moins, je pense, mais il n'y a pas de. On a été au tremblement de terre qu'a connu dernièrement la Turquie. Les Algériens étaient là, en Syrie aussi, et donc on y va de la même manière. Mais en ce qui concerne le territoire national, on est là en premier lieu. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il faut réaliser aussi des structures similaires à celles qui ont été réalisées à Alger pour les citoyens au niveau de certaines localités éloignées, si on prend en considération Insalah, Timiaouine, Tinzawatine, est-ce que cela pourrait être le cas ou alors les structures existantes sont capables de prendre en charge les populations locales? C'est déjà fait, je vous en avais parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Nous avons des structures qui sont mixtes. Et qui règle le problème de toute la population. Vous avez des équipes mixtes, mais vous avez aussi le déploiement de médecins d'Alger qui vont pour faire des interventions au niveau du sud du pays. Absolument. Précisément pour les populations locales. C'est des interventions au profit de la population locale. C'est absolument ça. C'est des spécialistes, médecins militaires spécialistes, que ce soit des pédiatres, des gynécologues, des chirurgiens, ils sont déployés et ça se fait au niveau de tout le territoire national, dans les contrées les plus lointaines, justement pour prendre en charge ces populations qui n'arrivent pas à être prises en charge dans leur localité. En raison, bien sûr, de l'éloignement de ces localités et leur proximité avec les zones frontalières. Même principe aussi, par exemple, pour les personnes qui viennent des localités frontalières. Il n'y a pas de discrimination au niveau de vos structures hospitalières? Du tout. Puisque l'Algérie a toujours été un pays d'accueil. Nous sommes et nous resterons une terre d'accueil. Et de la même manière qu'on prendrait en charge nos concitoyens, nous prenons en charge les gens qui viennent vers nous et c'est ça, être médecin. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit également, bien sûr, nous sommes fiers de notre armée populaire nationale. Nous souhaiterions connaître un peu plus sur l'armée populaire nationale en termes d'action en direction des citoyens, parce que nous sommes fiers de cette glorieuse armée héritière, bien sûr, la digne héritière de l'ALN. Alors, cette question qu'il vous pose, est-ce que vous avez aussi certaines spécialités qui sont spécifiques à certaines localités, par exemple du sud du pays, quand par exemple les structures hospitalières des grands brûlés? Donc les structures des grands brûlés, ça va être des petites structures de grands brûlés, on ne va pas se mentir. Mais nous avons un centre des brûlés qui est situé au niveau de l'HCA, l'hôpital central de l'armée. Et c'est là que nous ramènerons nos grands brûlés, qu'ils soient civils ou militaires. Est-ce que toutes les spécialités également sont développées au niveau de structures à travers le territoire national? On parle de Béchar, on parle de Ouargla, on parle de Hassi Mesoud, on parle dans les localités par exemple, également le Rouat par exemple, Rardaya, il cite des exemples. Absolument. Toutes les spécialités existent. Toutes les spécialités existent. Et en premier lieu, les médecins qui se déplacent et qui sont des missionnaires de la santé militaire sont des gynécologues, des pédiatres, des chirurgiens, des orthopédistes. Toutes les spécialités confondues sont présentes. Mais ces missionnaires, ils vont pour des interventions spécifiques? Non, 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 du tout. Vous savez, c'est des programmes qui sont établis par la santé militaire, voire la direction de la santé militaire. Et donc, on va dire que c'est des roulements. Il y a une équipe qui va aller pour un mois vers telle ou telle région.
à une menace ou... Dès que le besoin se fait ressentir. C'est automatique. Qu'il y ait besoin ou pas, ils sont là-bas, sur place, pour prendre en charge toutes les spécialités confondues. Madame Emina Romari, merci d'avoir répondu à nos questions. Et avant de clore, bien sûr, il y a ce commentaire de l'auditeur qui vous dit on est fiers de notre armée populaire nationale, on est fiers aussi des hommes et des femmes qui constituent cette armée populaire nationale, digne héritière de l'ANN, une armée républicaine au service du peuple et pour le peuple. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, c'est le commentaire de l'auditeur, et qui souhaite aussi bon courage à Imen Khalif, tout notre soutien également à elle. Merci beaucoup, colonel Emina Romari. Merci. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. J'ai été ravie d'être parmi vous et je remercie cet auditeur et je dis bon courage à notre championne en or. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.